Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, bon oui, mon Seigneur. Jésus sera encore glorifié par la puissance de l'Esprit. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. En même temps, ma foi, ma sœur, tu ne mets pas le sport. Moi-même, j'ai parlé de ça que tu as dit. Personne ne peut me toucher comme toi. We pick me from the miry clay. Set me feet on the rock to stay. You my promoter, you my defender. Je refuse ma situation.
22h30 Alléluia. Nous sommes le temple du lion de la tribu de Juda. Nous sommes à Koumansikan Commando Carrefour Petit Marché. Il est dit bien Koumansikan Commando. Vous demandez le carrefour du Petit Marché. Petit Marché de Koumansi. Arrivez au carrefour. Ce qui va vous montrer que vous êtes bel et bien au carrefour. Vous allez voir la pharmacie Bécani. La pharmacie s'appelle Bécani. Longez la ruelle de la pharmacie Bécani jusqu'au Maki Baoulé Kedjibo. Nous sommes en face, en hauteur. La seule église en hauteur. Koumansikan Commando Carrefour Petit Marché. Derrière la pharmacie Bécani, en hauteur, face au Maki Baoulé Kedjibo. Le premier dimanche du mois, dès qu'on atteint un nouveau mois, le premier dimanche, c'est un seul culte. Toutes les églises viennent se réunir et nous faisons un seul culte de 9h à 13h. Les autres dimanches du mois, après le premier dimanche, les autres dimanches, c'est 3 cultes. Le premier culte commence à 9h, il finit à 10h30. Le deuxième culte commence à 10h30, il finit à midi. Et le dernier culte commence à midi, il finit à 13h30. Temple de Jésus, le lion de la tribu de Juda. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le roi des rois, le Dieu vivant, le Tout-Puissant, l'Alpha, l'Oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin, Sa Majesté Jésus-Christ de Nazareth, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni, j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour le directeur de la radio Zenith FM de Makori 92.8, Monsieur Uncho, sans oublier mon coach physique qui m'épaule depuis 4 ans maintenant, Soumaïla Kwaku. On peut acclamer le nom du Seigneur pour la vie. Que Dieu bénisse mon guerrier, mon commando Lamine qui est là, toujours auprès de son père spirituel. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mon thème d'aujourd'hui, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Quand je vais développer, vous allez comprendre. Mais pour l'heure, invitez vos parents, invitez vos amis, invitez vos connaissances, réveillez ceux qui dorment, appelez ceux qui sont au loin et dites-leur que aujourd'hui, c'est aujourd'hui, l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Commence à envoyer tous tes sujets de prière au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour ceux qui souffrent du célibat, qui n'arrivent pas à se marier.
Je vais prier pour ceux qui souffrent de la stérilité, qui n'arrivent pas à enfanter. Je vais prier pour tous les malades. Je vais prier pour tous les chômeurs. Je vais prier pour tous ceux qui sont attaqués par la sorcellerie. Je vais prier pour les célibataires. Je vais prier pour tous ceux, l'argent ne vient pas et l'argent ne reste pas dans leurs mains. Je vais prier pour tous ceux qui tournent rond. Il n'y a pas tête, il n'y a pas queue. Il n'y a pas mariage, il n'y a pas travail, il n'y a pas voyage, il n'y a pas déblocage, il n'y a pas fécondité, il n'y a pas santé, il n'y a pas succès, il n'y a pas réussite. Tu ne sais plus à quel saint te vouer, tu ne sais plus quelle prière tu vas faire. Tu es désespéré, tu es déboussolé, tu es désorienté. Là où tu es, tu attends la mort. Là où tu es, tu n'espères plus. Là où tu es, tu ne crois plus. Mari de nuit couche avec toi. Femme de nuit couche avec toi. Dans tes rêves, tu es menacé de mort. Quand tu veux crier, ta voix ne sort pas. Quand tu veux bouger, tu es paralysé. Quand tu dors, tu manges avec les gens que tu ne connais pas. Quand tu dors, tu t'envoles. Quand tu dors, tu te retrouves au village. Tu te retrouves à la maison familiale. Tu te retrouves dans les lieux bizarres. Tu te retrouves dans la forêt. Tu es perdu dans la forêt. Tu te retrouves sous l'eau. Tu te retrouves à la plage. Tu te retrouves au bord de l'eau. Ta vie est mélangée. Tu ne comprends plus rien. Depuis que tu travailles, pas d'économie. Tu n'as rien construit, rien réalisé. Il n'y a rien en banque, il n'y a rien à la maison. Il n'y a rien sur toi. Envoie maintenant tes sujets de prière. Si ce que je dis est vrai, commence à écrire tous tes sujets de prière et envoie-les maintenant à Jésus. Au plus 225-08-01-65-07-08-01-65-07 ou au 05-64-78-32-05-64-78-32. Je vais prier pour vous. Tout le monde se marie, sauf toi. Tout le monde travaille, sauf toi. Tout le monde voyage, sauf toi. Tout le monde enfante, sauf toi. Tout le monde prospère, sauf toi. Tout le monde réussit, sauf toi. Tout le monde voit la gloire de Dieu, sauf toi. Je suis venu te dire qu'aujourd'hui est la fin de ta souffrance. Je pensais que tu allais dire Amen fort. Aujourd'hui est la fin de ta galère. Je pensais que tu allais dire Amen fort. Aujourd'hui est la fin de tourner en rond dans ta vie. Je pensais que tu allais dire Amen fort. Aujourd'hui est la fin de ton célibat. Oh, je pensais que ton Amen allait dépasser pour ton voisin. Aujourd'hui est la fin de ta stérilité. Je pensais que ton Amen allait dépasser pour ta soeur et pour ton frère. Aujourd'hui est la fin de travailler sans rien réaliser, sans promotion. Celui qui dit Amen, la main de Dieu est sur sa vie. Aujourd'hui est ton jour. C'est pourquoi, hein, lève-toi et compose tous tes sujets de prière par écrit et envoie-les à Jésus-Christ de Nazareth. Au plus 225-08-01-65-07-08-01-65-07 ou au 05-64-78-32-05-64-78-32. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Pasteur, je souffre. Pasteur, chez nous, il n'y a pas mariage. Pasteur, chez nous, il n'y a pas travail. Pasteur, dans notre famille, on ne voyage pas. Seigneur, pasteur, dans notre famille, on n'évolue pas. Pasteur, chez nous, on tourne en rond. Pasteur, dans notre famille, pour réussir, c'est dur. Dans notre famille, chaque année, quelqu'un doit mourir. Dans notre année, dans notre famille, on ne réussit pas à l'école. Dans notre famille, on ne peut pas économiser. Dans notre famille, on est bloqué. On est attaché. C'est la pauvreté. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'allégresse. Il n'y a pas de bénédiction. On souffre dans notre famille. Personne n'a réussi. Celui qui réussit, il revient en arrière. Un pas en avant, 10 pas en arrière. L'argent ne reste pas dans notre vie. Mari de nuit couche avec nous. Femme de nuit couche avec nous. On est belle,
mais on n'arrive pas à rester avec quelqu'un. On est beau, mais femme ne peut pas durer avec nous. On a l'argent, mais on ne peut pas se marier. On veut se marier, mais on n'a pas l'argent. C'est une malédiction. C'est pourquoi si tu te retrouves dedans, envoie tes sujets de prière. Commence à écrire, commence à composer tes sujets de prière. Et envoie-la maintenant, pendant que je parle, au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire que tous ceux qui vont amener le message pendant que je prêche et qui vont appeler après ma prédication, ils sont exaucés déjà par la puissance de l'Esprit. Et dans le nom tout puissant de Jésus, n'appelez pas, envoyez d'abord vos sujets de prière. Et quand je vais finir de prêcher, c'est là le téléphone sera ouvert. Actuellement, envoyez vos sujets de prière au 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Dieu s'est levé et je vais prier pour vous par la puissance de l'Esprit au nom tout puissant de Jésus. Et tu seras délivré, dis amen bien. Et tu seras guéri, dis amen bien. Et tu seras béni, dis amen bien. Et tu seras sauvé, dis amen bien, par la puissance de l'Esprit et dans le nom tout puissant de Jésus. Quand tu dors, tu te retrouves avec des gens qui sont déjà morts. Quand tu dors, tu causes avec les morts, tu manges avec les morts, tu couches même avec des personnes qui sont déjà mortes. Quand tu dors, mari de nuit couche à toi, femme de nuit couche à toi, tu commences bien avec quelqu'un, tout va bien dans vos relations, et puis à la fin ça se gâte. Il n'y a pas tête, il n'y a pas queue, mais le monsieur te laisse, mais la femme te laisse, mais la fille te laisse, mais le monsieur, le jeune homme s'en va. Quand on demande explication, il n'y a pas tête dans palabre là, il n'y a pas queue dans palabre. Tu n'arrives pas à rester à quelqu'un, tu n'arrives pas à durer à quelqu'un. C'est un esprit qui fait ça. La jalousie autour de toi, depuis le village, on vous combat. Normalement, tu devais voyager. Normalement, tu devais travailler. Il y a longtemps, tu devais être dans le foyer. Il y a longtemps, tu devais avoir ton enfant. On a prophétisé. On a parlé sur ta vie. Mais tout est paralysé. Tout est bloqué. Tout est mélangé. Tu gagnes un travail, tu ne dis pas. On trouve un problème, on te chasse. Tu gagnes un autre travail, tu ne dis pas. On trouve un problème, on te chasse. Tu trouves travail, mais tu ne dis pas. Tu commences une semaine, deux semaines. Au milieu du mois, on te chasse. L'argent ne reste pas dans ta main. Tu ne sais pas ce que tu as fait. La sorcellerie veut vous détruire. L'esprit de mort bat son plein dans votre famille. La sirène des eaux te fatigue. L'esprit de sorcellerie vous fatigue. L'esprit de colère te fatigue. Le mari de nuit, la femme de nuit te fatigue. Les esprits de famille et de maladie te fatiguent. On te soigne depuis là, tu ne guéris pas. On fait radio, on fait scanner, on fait échographie, mais on ne voit pas ton mal. Quelqu'un est hospitalisé, quelqu'un est dans une clinique, quelqu'un est aux urgences, quelqu'un est au CHU, quelqu'un est au bloc opératoire. Vous ne savez même pas ce que vous allez faire. Quelqu'un est dans le coma. Laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui s'appelle Dieu. Il y a quelqu'un qui s'appelle le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la sorcellerie. Il a vaincu le célibat. Il a vaincu la stérilité. Il a vaincu le blocage. Il a vaincu le chômage. Il a vaincu la pauvreté. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle l'Alpha, l'Oméga. Il a vaincu la mort. Vous allez aller dans les cimetières.
Vous allez aller dans les tombeaux. Vous allez voir le cadavre du frère Boigny. Vous allez voir le cadavre de Samori Touré. Vous allez voir le cadavre d'Adolf Hitler. Vous allez voir le cadavre de moi et mon papa. Il est mort en 2012. Il est enterré au cimetière de William Civil. Vous allez voir le cadavre des scientifiques, des philosophes, des historiens, des astrologues, des prophètes. Mais lui, allez en Israël, le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il dit, personne ne peut me tuer. Personne ne peut prendre ma vie. Jean chapitre 10, le verset 18. Moi, Jésus, personne ne peut me tuer. J'ai le pouvoir de mourir et j'ai le pouvoir de ressusciter. Jean chapitre 10, le verset 18. Personne ne me prend la vie car je la donne de ma propre volonté et je la reprends. Il n'y a que Dieu seul qui peut mourir et Dieu seul qui peut se ressusciter. Quand les gens sont morts, quelqu'un dit lève-toi. Quelqu'un la touche. Mais quand lui, il était dans le tombeau, qui est rentré là-bas pour dire lève-toi? Il est Seigneur. Si Jésus a vaincu la mort, il peut vaincre ton célibat. Il peut vaincre ta stérilité. Il peut vaincre ta maladie. Il peut vaincre la sorcellerie. Parce qu'il est Dieu. Il est le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi envoie tous tes sujets de prière pendant même que je parle au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou en 05 64 78 32 05 64 78 32. Dis amen et reçois ton mariage. Dis amen et reçois ta fécondité. Dis amen et reçois ton visa. Dis amen et retrouve ta santé. Dis amen et reçois l'argent pour voyager, pour travailler, pour déménager. Dis amen et pèse dans le domaine spirituel. Dis amen et retrouve ta vie de prière. Dis amen et retrouve ta vie de sanctification. Dis amen et reçois ta bénédiction. Ton commerce ne marche pas. Ta société ne marche pas. Tout est bloqué. Tout est paralysé. Les clients ne viennent plus. Ça ne va plus. Il n'y a plus l'argent. Il n'y a rien. Tout ce que tu as, ton fonds de commerce est en train de ressortir. Tout ce que tu as gardé, il y a décès, il y a maladie, il y a problème, il y a école. Tu es obligé d'enlever. Ça ne rentre pas, mais ça sort seulement. Ta main est trouée. Les sorciers sont sur toi. Les marabouts t'attaquent. Les féticheurs et les mystiques sont sur toi. C'est pourquoi si tu te retrouves dedans, envoie tes sujets de prière maintenant même. Au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou 05 64 78 32 05 64 78 32. Toi qui m'entends à la radio, toi qui m'entends à la télévision, toi qui me suis en direct, toi qui me suis sur les réseaux sociaux, sache que Jésus est Seigneur des seigneurs. Il est Dieu des dieux. Il est le roi des rois. Dis amen et ta situation change. Dis amen et ta situation se débloque. Et dis amen et tu réussiras à l'école. Tu réussiras dans ton entreprise. Tu réussiras dans ta famille. Tu réussiras dans ce que tu fais. Dis amen fort. Et tu reçois la grâce de Dieu. Écoutez, il y a une très bonne nouvelle à vous annoncer. Avant de prêcher, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Cette bonne nouvelle, c'est qu'à partir de la fin du mois, nous rentrons dans le mois de la Pâque. Le jeudi 1er avril. Le jeudi 1er avril 2021, nous commençons une projection de film au terrain Vatican du petit marché de Marcory. On va projeter la passion du Christ. Viens regarder au terrain Vatican du petit marché de Marcory le film sur la mort et la résurrection de Jésus. Comment il a souffert, comment il est mort et comment il est ressuscité et pourquoi
Il en est ainsi. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Écran géant. Et c'est moi-même la porte des nations qui va commenter le film. Ça commence le jeudi 1er avril 2021 de 20h à 22h sur le terrain Vatican du petit marché de Macquarie, GMCI, près du 9e arrondissement police et derrière l'hôtel Conacro, au milieu du marché de Macquarie. Le petit marché, au milieu, il y a un grand terrain de foot. Il s'appelle Vatican. Nous serons là-bas du jeudi au dimanche. C'est pourquoi ne reste pas à la main. On va prier pour toi le jeudi. Le vendredi, c'est le 2. Après la projection de film jeudi, le vendredi, c'est le 2. Le 2 avril 2021. Cette fois-ci, c'est veillée de prière. Ne reste pas à la maison la nuit de la guerre. Tous les premiers vendredis, on a la nuit de la guerre. Paye un nouveau balai. Prends une huile qu'on n'a jamais utilisée. Habille-toi en tenue de guerre et prends ta Bible. Ce vendredi 2, après la projection du film de jeudi, ce vendredi, c'est veillée de prière. De 20h à l'aube, sur le terrain Vatican, le même terrain, on sera là-bas pour combattre les puissances des ténèbres et détruire les œuvres du diable. Tout le monde avec un nouveau balai et tout le monde avec une bouteille d'huile. Ça, c'est le vendredi, de 20h à l'aube, sur le terrain Vatican. Le samedi, après la veillée, nous serons encore là-bas de 18h à 21h pour louer le Seigneur, pour danser, pour chanter pendant 3 heures. Le samedi après la veillée, de 18h à 21h, 3 heures de chant, 3 heures de louange, 3 heures de pas et de danse en l'honneur de l'Éternel, les armées, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, sa majesté Jésus-Christ de Nazareth. Tout va se passer sur le terrain Vatican du petit marché de Macquarie. Vous demandez le commissariat, le 9e. Arrivez là-bas, demandez le petit marché. Il y a un grand terrain de football. On sera là-bas jeudi de 20h à 22h. Le jeudi 1er avril 2021. On sera là-bas pour projection de film. Le vendredi 2 avril 2021. Ça, c'est veillée de prière. Tout le monde en tenue de guerre. Sa Bible dans la main. Un nouveau balai. Et puis une bouteille d'huile pour bénir ta maison. Une bouteille d'huile pour bénir ton commerce, ton magasin, ton atelier, ta société, ta boutique, ton dortoir. On va combattre le vendredi. Le samedi à 18h, on revient pour danser. Oh, laisse-moi te dire, il y a un roi dans la Bible qui a dansé. Sa femme a dit, pourquoi tu danses pour Dieu? La Bible dit, elle n'a plus accouché. Elle n'a plus fait enfant. Parce que quand nous allons danser, le Seigneur va lancer, il va lancer son feu dans le camp de tes ennemis. Depuis tu danses dans maquis, tu es arrivé où? Depuis tu danses dans boîte de nuit, tu es arrivé où? Depuis tu danses à la maison, tu es arrivé où? Ce samedi, sur le même terrain Vatican du petit marché, cette fois-ci, c'est de 18h à 21h. Nous allons inviter les artistes. Ma femme même a fait sortir sa cassette. Maman Biz Delight, elle va chanter. Mon fils Randy de Christ, ancien leader de Groove Makers, lui qui chantait avant petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il est devenu pasteur, il est devenu chanteur et il va venir chanter. Il chante maintenant pour Jésus. Des artistes vont venir chanter. On va danser pendant 3 heures. Maintenant le dimanche 4 avril, après avoir dansé, c'est le culte. Le culte aura lieu sur le même terrain Vatican du petit marché de Macquarie. Nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons l'adorer. Un culte d'action de grâce. Tout le monde vient avec un cadeau. Un cadeau pour offrir au Seigneur. Poulet vivant, bouteille d'huile, plaquette d'œuf, igname, acheke. Chacun va offrir au Seigneur quelque chose qui lui coûte cher. Quand l'apôtre va prêcher, il va dire aujourd'hui c'est la Pâque. Jésus est mort et ressuscité. Qu'est-ce que vous voulez dire au Seigneur? Chacun va apporter son cadeau. Des sacs de riz, des dons en nature, en espèces. Tout le monde va offrir au Seigneur. Et après le culte, on va manger un repas. On va partager un repas sur le terrain. Moi-même, l'apôtre des nations, je donne 70 000 pour la préparation. Nous allons manger le dimanche parce que c'est la plus grande fête de l'univers. Dieu a pris la forme humaine. Il est mort. Et comme il est Dieu, il ressuscite pour sauver ses créatures. La fête de Pâques est au-dessus de Noël.
au-dessus de la Saint-Valentin, au-dessus de la fête de Toussaint. La fête de Pâques est la fête de Dieu. Donc le jeudi, projection de film. Le vendredi, veillée de prière. Le samedi, louange. Et le dimanche, le culte. De 9h à 15h, tout va se passer sur le terrain Vatican du petit marché de Marc-Origère. De 20, tout va se passer là-bas. Et puis, on va maintenant aller à la plage le lundi. Le lundi, après le dimanche, c'est férié. Férié de la fête de Pâques. C'est un jour férié. Chômage payé. Il n'y a pas de travail. On va aller à la plage. On va aller se reposer. On va contempler la grandeur de Dieu. On va remercier Dieu d'avoir versé son sang pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous guérir et pour nous bénir. Tout le monde à la plage. Aller-retour dans le car. 1500. Et les gens de la plage disent 1000 francs par tête. C'est-à-dire que si tu viens avec ton enfant ne paye pas. Mais les grandes personnes, 1000 francs par tête. Donc ça te fait 2500. 1500 pour partir en car et revenir. Et puis 1000 francs pour pouvoir nager. Oh, la plage qu'on a choisie est belle. Parce que le monsieur a fait piscine. Donc ceux qui ne veulent pas nager dans la mer, ils ont leur côté de piscine. Et ceux qui ne veulent pas rester dans la piscine peuvent nager. On va aller encore là-bas se divertir dans la présence de Dieu. On va aller se réjouir. Le car va quitter l'église, le temple du lion à 9h. Ça va descendre au terrain Vatican pour aller prendre le groupe qui est là-bas. Et puis on continue à la plage. On revient à Abidjan à 18h par la grâce et pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi, si tu m'entends, envoie tes sujets de prière maintenant au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Tout à l'heure, vous allez écouter maintenant le spot des 5 jours de la fête de Pâques en présence de Jésus. Voilà le spot maintenant qui va passer. Écoutez bien le spot. Toutes les informations y sont. Après ça, je reviens prêcher 10 minutes et puis le téléphone sera ouvert. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. De la fête de Pâques 2022, l'apôtre des nations, Yvon Serge et les lions de l'être humain de Judas organisent ces jours de l'amour, la vérité et la puissance éternelle de Jésus. Au programme, ce jeudi 1er avril 2022, de 20h à 22h, projection de films chrétiens sur la passion du Christ. Ce vendredi 2 avril 2022, de 20h à l'aube, la troisième édition de l'année de la guerre contre les œuvres des ténèbres. Venez tous en tenue de guerre avec votre Bible, un balai, une bouteille d'huile d'onction pour prière de combat spirituel et action prophétique. Ce samedi 3 avril 2021, de 18h à 21h, 3 heures de chant, de danse et de louange prophétique au roi des rois et seigneur des seigneurs, sa majesté Jésus-Christ de Nazareth, avec des chanteurs et artistes surprises. Ce dimanche 4 avril, de la fête de Pâques 2021, de 9h à 15h, spécial culte d'adoration au Dieu vivant, d'où un repas vous sera servi après le culte thème. Jésus est vraiment ressuscité. Luc 24, verset 34. Attention, ces 4 jours de programme auront bel et bien lieu sur le terrain Vatican du petit marché de Marc GFCI, non loin du 9e arrondissement de police, suivi d'une sortie détente sur la plage du Bassam, dans l'onction et la puissance du Saint-Esprit, ce lundi 5 avril 2022, jour férié de la fête de Pâques. Le droit de participation pour la sortie détente est de 1500 francs CFA. Rassemblement au terrain Vatican du petit marché de Marc à 9h, retour à 18h, par la grâce et pour la gloire de Dieu. Contact, plus 225. 07 49 52 90 57 plus 225 07 49 40 05 04 plus 225 05 05 64 78 32. Bonne fête de Pâques à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.
ressuscité. Jésus a ressuscité. Qui a dit en Jésus, il n'y a pas la paix? Qui a dit en Jésus, il n'y a pas l'amour? Il n'a qu'à venir, il va goûter Jésus et il va voir. Écoutez, mon thème est tiré de Matthieu. Matthieu chapitre 13, le verset 39. Matthieu chapitre 13, le verset 39. Matthieu 13, 39. Écoutez ce que la Bible dit. L'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est le diable. L'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est le diable. Matthieu chapitre 13, le verset 39. L'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est le diable. Écoutez, que Dieu bénisse sa parole, dites amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, dites amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole, dites amen. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien. Au nom tout-puissant de Jésus, on dit encore amen. Amen. Jésus donne une parabole. Il dit, il y a un homme qui avait planté une bonne semence dans son champ. Il avait mis une bonne plante, une bonne semence dans son champ. Et pendant que les gens dormaient, l'ennemi de cet homme est venu mettre la mauvaise herbe. Il est venu mettre la mauvaise semence. Mais quand vous comprenez bien, il n'a pas dit lui qui a planté la bonne semence dormait. Il dit tout le monde dormait parce que Dieu ne dort pas. Et quand les plantes ont poussé, la mauvaise herbe a poussé aussi. Alors les gens ont dit à cet homme-là qui est bon, on dit mais tu avais planté une bonne semence. D'où vient la mauvaise herbe? Ils disent, c'est un ennemi qui a fait ça. Ils disent, on va aller séparer les bons des mauvais. Ils disent, laissez-les grandir ensemble. Au jour de la fin du monde, les anges vont venir séparer les bons des mauvais. Parce que si vous voulez séparer les bons des mauvais, vous risquerez d'enlever même les bons. Vous risquerez de les enlever. Vous risquerez de les blesser. Vous risquerez de les déraciner. À la fin du monde, les anges qui voient clair, qui sont des esprits, vont séparer eux-mêmes les bons des mauvais. Alors les disciples ont demandé à Jésus, explique-nous la parabole de la mauvaise herbe et de la bonne herbe. Il dit, l'homme qui plante la bonne semence, c'est Dieu, c'est moi, c'est le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Mais l'homme qui met la mauvaise semence, c'est le diable. Et il est venu mettre la mauvaise semence quand, au moment où tout le monde dormait. C'est pourquoi mon thème d'aujourd'hui, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Ta souffrance là, c'est pas Dieu. Ton célibat là, c'est pas Dieu. Ta maladie là, c'est pas Dieu. Ta galère là, c'est pas Dieu. Lui, il a planté une bonne semence. Mais qui est venu mettre la mauvaise herbe? Qui est venu mettre Sida? Qui est venu mettre Ebola? Qui est venu mettre la guerre? Qui est venu mettre la sorcellerie? Qui est venu mettre mourir jeune avant son temps? Qui est venu mettre stérilité? Qui est venu mettre célibat? On dit, c'est l'ennemi de cet homme. Et Jésus explique, lui qui sème la mauvaise herbe, c'est le diable. Lui qui met la mauvaise semence, c'est le diable. Lui qui met la mauvaise herbe, c'est le diable. Matthieu chapitre 13, le verset 39. Lui qui fait ce qui est mauvais, c'est le diable. C'est pourquoi mon thème, c'est pas Dieu. Mon frère, ma soeur, parents, écoutez-moi. C'est pas Dieu qui vous fait tourner en rond. C'est pas Dieu qui fait que l'argent reste pas dans votre main. C'est pas Dieu qui fait que chaque jour quelqu'un meurt dans votre famille. C'est pas Dieu qui a bloqué ton ventre, madame. Et puis depuis là, il n'y a pas de bébé. C'est pas Dieu qui amène les gens à l'hôpital. C'est pas Dieu qui veut tuer les gens. C'est pas Dieu qui bloque ton mariage. C'est pas Dieu qui fait que tu souffres. C'est pas Dieu qui fait que tu pleures. C'est pas Dieu qui fait que tu tournes en rond. C'est pas Dieu. Il dit, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. L'ennemi qui sème ce qui est mauvais, c'est le diable. Écoutez, la parabole commence. Un homme avait planté ce qui est bon. Mais pendant que les gens dormaient, on n'a pas dit pendant que lui-même il dormait. Parce que lui ne dort pas. Dieu ne sommeille ni ne dort. La Bible déclare, pendant que les hommes dormaient, tu ne pries plus, tu dors. Tu ne jeûnes plus, tu dors. Tu ne vas plus à l'église, tu dors. Tu ne payes plus ta dîme, tu dors. Tu n'as plus l'envie même de lire ta Bible, tu dors. Ton amour pour Dieu a disparu, tu dors. Tu n'as plus l'envie même de servir Dieu.
Dieu, tu dors. Et c'est pendant que tu dors, l'ennemi est arrivé. C'est pendant que tu dors, les sorciers arrivent. C'est pendant que tu dors, les magiciens arrivent. C'est pendant que tu dors, les marabouts arrivent. C'est pendant que tu dors, les féticheurs arrivent. C'est pendant que tu dors, les francs-maçons arrivent. Les mystiques arrivent. Les résurrectionnés arrivent. La mort arrive. Pendant que tu dors, pendant que tu dors, pendant que tu dors. Il dit, pendant que tout le monde dormait, l'ennemi est venu. Les disciples disent, oh Seigneur, explique-nous la parabole. Il dit, lui qui plante la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. C'est Jésus. C'est lui qui est Dieu. C'est pas lui que Dieu a tout créé. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toute chose fut créée par la parole. Jésus est la parole de Dieu. La Bible dit, et la parole est devenue un homme. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole qui est Dieu, qui a tout créé, est devenue un homme et a habité parmi les hommes. C'est pourquoi il dit, lui qui plante les vrais hommes, lui qui plante ce qui est bon, c'est le Fils de l'homme. Et qui s'appelait dans la Bible le Fils de l'homme? C'est Jésus lui-même. C'est lui qui a placé ce qui est bon. Mais pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu mettre. Les disciples disent, qui est l'ennemi? Il dit, c'est le diable. Ce n'est pas Dieu qui fait que tu ne dures pas avec quelqu'un. Ce n'est pas Dieu qui fait que ta femme va. Ce n'est pas Dieu qui fait que tu ne t'entends pas avec ton mari, avec ta femme. Ce n'est pas Dieu qui fait que depuis là tu es malade. Depuis là tu as la maison familiale. Ce n'est pas Dieu qui fait que tu échoues à l'école. Ce n'est pas Dieu qui fait que l'entreprise ne marche pas. Le commerce ne marche pas. La boutique ne marche pas. Ce n'est pas Dieu. Mon thème d'aujourd'hui, ce n'est pas Dieu. Mon frère, faut te tromper. Ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi si tu souffres, c'est pourquoi si tu pleures, c'est pourquoi si tu tournes en rond, envoie maintenant même tes sujets de prière au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. C'est pas Dieu qui fait que la plaie qui est sur ton pied ne guérit pas. C'est pas Dieu qui t'a donné le sida. C'est pas Dieu qui t'a donné l'AVC. Le cancer que tu es, c'est pas Dieu. Les boutons qui sortent sur ton corps, c'est pas Dieu. Ton parent qui meurt chaque année, c'est pas Dieu. L'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est le diable. L'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est le diable. C'est sorti de la bouche de Jésus. Matthieu 13, 39. L'ennemi qui sème tout ce qui est mauvais, c'est le diable. Et qui sont les enfants du diable? Les sorciers, les féticheurs, les marabouts, les francs-maçons, les illuminatis, les écancars, les bouddhistes. Il y a quelqu'un à côté qui t'attaque. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu te maries. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu sois doté. Il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'on bénisse ton mariage à l'église. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu restes à elle, monsieur là. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu restes à elle, la femme. Faut chercher partout. Mais c'est pas Dieu. Mon thème d'aujourd'hui, il dit c'est pas Dieu. La voiture te cogne, c'est pas Dieu. Quelqu'un va dire rien ne peut arriver si Dieu le veut. Oui, mais c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui fait que les gens meurent avant le temps dans votre famille. C'est pas Dieu qui fait que vous êtes à la maison familiale et personne ne peut sortir. Dieu dit dans le livre de Jérémie, Jérémie 19, le verset 11, moi Dieu, j'ai formulé pour vous des projets de bonheur. Moi dans mon plan, c'est le bonheur que je veux vous donner. Et David dit, Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, quand je marche dans la vallée du sida, quand je marche dans la vallée de la sorcellerie, quand je marche dans la vallée de la stérilité, quand je marche dans la vallée de la galère, du chômage, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car Dieu est avec moi. Car Yahweh est avec moi. Car Jésus est avec moi. Face à mes ennemis, face aux jaloux, face aux sorciers, face à ceux qui me guettent, face à ceux qui me critiquent, il dresse pour moi une table. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde.
et mon mariage déborde, et mon voyage déborde, et ma fécondité déborde, et ma bénédiction déborde, et ma santé déborde, et mon commerce déborde, et mes activités débordent, et mon argent déborde, et ma bénédiction déborde, et mon mariage déborde, et mes amis débordent, et mes maisons débordent, et mes cartes débordent, et mes magasins débordent, et mes terrains débordent, et mes villages débordent, et mes voitures débordent, et mes cartes débordent, et mes avions débordent. Celui qui dit amen, ça descend sur lui. Ah, dit amen fort, et reçoit. C'est pas Dieu. David dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourquoi? Car Dieu est son berger. Et Jésus dit, le diable vient pour tuer et égorger. Il vient pour détruire. Il vient pour voler. Mais moi, Jésus, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. David dit, il onduit ma tête et ma coupe déborde. Quand Dieu est dans ta vie, ton argent doit déborder, ta santé doit déborder, ta fécondité doit déborder, ta grâce doit déborder. Jésus a pris 5 pains et 2 poissons. Il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et on dit qu'il y avait du reste. Et le reste a rempli 12 paniers. Quand Dieu est dans ta vie, tu manges et tu te rassasies. Quand Dieu est dans ta vie, tu dors en paix. Quand Jésus est dans ta vie, la maladie te fuit. Le célibat te fuit. La stérilité te fuit. Le blocage te fuit. Quand Jésus est dans ta vie, la main de Dieu ne t'abandonne pas. C'est pourquoi si tu souffres, c'est pourquoi si tu pleures, c'est pourquoi si tu tournes en rond, sache que c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Oui papa, oui maman, toi qui m'entends, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui a tué tes enfants, c'est pas Dieu qui a tué ton enfant. Dieu ne peut pas permettre à quelqu'un de naître et puis de l'enlever en même temps. Le seul qui est vite mort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort à 33 ans pour que toi tu meurs au moins à 66 ans. 33 ans multiplié par 2, 66 ans. Au moins, tu dois mourir à 70 ans, 80 ans. Ce n'est pas Dieu qui tue tout ce que vous voyez dans l'eau. Ce n'est pas Dieu qui tue tout le monde sur la route par accident. Ce n'est pas Dieu. L'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est le diable. L'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est le diable. C'est pourquoi les 5 jours de programme, le jeudi, vendredi, samedi et dimanche au terrain Vatican, le 1er avril, le 2 avril, le 3 avril, le 4 avril, sur le terrain Vatican du Petit Marché, ce programme-là, tu ne dois pas manquer et viens terminer à la plage. Car c'est Dieu qui a créé la mer, c'est Dieu qui a créé le cocotier, c'est Dieu qui a créé le sable et la plage. Viens te réjouir. Écoutez, je vais terminer. Avant de terminer, je vais vous dire, c'est pas Dieu. Quelqu'un est dans le coma dans ta famille, c'est pas Dieu. Si tu te fatigues, c'est pas Dieu. Il y a quelqu'un qui t'a lancé, il y a quelqu'un qui t'a contaminé, mais c'est pas Dieu. Bébé vient pas dans ton ventre, c'est pas Dieu. Tu souffres, tu pleures. Ton mariage est bloqué, ta femme est partie, ton fiancé est parti. Il n'y a pas l'argent pour faire coco d'autre, il n'y a pas l'argent pour aller à la mairie. On travaille, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Depuis que tu travailles, ton salaire ne monte pas. C'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Mon frère, quelqu'un t'a blagué, tu es là, tu dis non, si Dieu veut. Dieu dit, tout est accompli, c'est fini. Quand Jésus mourait, il dit tout est accompli. Tout est accompli pour ton mariage. Tout est accompli pour que tu réussisses. Tout est accompli pour que tu quittes la maison familiale. Tout est accompli pour que bébé sorte dans ton ventre. Tout est accompli pour qu'on te donne le visa. Il dit tout est accompli. Si ce n'était pas accompli, il n'allait pas mourir. Le film est fini. Jésus a accompli le film. Quelqu'un qui te fait souffrir, c'est plus lui. Ésaïe 54, si on t'attaque, ça ne vient pas de moi, Dieu. Ésaïe 54, si on vous attaque, c'est que ça ne vient pas de moi. D'ailleurs, quiconque t'attaquera tombera devant toi, car je suis avec toi pour te défendre. Celui qui t'attaque, ça ne vient pas de moi. Ésaïe 54, Ésaïe 54, quiconque t'attaquera tombera devant toi. Sinon, si on t'attaque, sache que ça ne vient pas de moi. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi je vous dis, ce jeudi 1er avril, ne manquez pas projection de film La Passion du Christ sur le terrain Vatican du Petit Marché du groupement foncé GFCI à côté du 9e et derrière l'hôtel Conacro. Ce jeudi 1er avril, ne restez pas à la maison. Venez me trouver sur le terrain Vatican de 20h à 22h. Écran géant, il va vous montrer qui est Dieu, qui est Jésus et ce qu'il a fait
à la fête de Pâques pour nous. Le vendredi 1er avril 2021, de 21h à l'aube, ne restez pas à la maison, trouvez-moi. Ça, c'est veillée de prière. Tout le monde en tenue de guerre. Tout le monde a une Bible, un nouveau balai. Huile qu'on n'a jamais utilisée. Et sa Bible, on va combattre les puissants des ténèbres. Rappelez-vous, Jésus dit, lui qui met les mauvaises choses, c'est le diable. C'est le diable. Et le diable qui fait partie de son armée, les sorciers, les féticheurs, les marabouts, les illuminatistes, les mystiques, ce sont ses enfants. Et le samedi, c'est louange. Ne restez pas à la maison. Viens danser. Depuis que tu danses à la maison, tu es arrivé où? Depuis que tu danses dans Maquis, tu es arrivé où? Depuis que tu danses au stade, dans les boîtes de nuit, tu es arrivé où? Viens danser pour le Seigneur. Le samedi 3 avril 2021. De 18h, là c'est 18h-21h, parce que demain est dimanche, donc on finit à 21h. Les artistes, les rendus de Christ, ma femme, les, comment elle s'appelle même, celle qui chante, tu es mon bouclier, Tracy, la chante Tracy, et plein d'autres artistes, on va louer le Seigneur. La Bible dit, David est un grand roi, il s'est levé pour danser. On va danser le samedi de 18h à 22h. À 21h, sur le terrain Vatican. Et le dimanche, le culte aura lieu dehors. Il a fait sortir mon grand podium que Dieu m'a permis de faire à 5 millions. Le grand podium sera là depuis la veille du vendredi. Ça sera placé sur le terrain jeudi. Et vendredi, on va faire la veille dessus. Samedi, on va danser sur le grand podium. Et le dimanche, on va faire le culte. Tout le monde vient avec une offrande pour dire merci à Jésus. Seigneur, c'est vrai, je ne peux pas payer le sacrifice que tu as fait. Mais voilà le sac de riz. Voilà la bouteille d'huile. Voilà le poulet vivant que je donne. Voilà l'offrande que je donne. Voilà ma dîme. Voilà les plaquettes d'œufs. Voilà les zigames. Voilà ce que je peux donner. Un paquet de, comment on appelle ça même, pommes de terre. Voilà les bouteilles de sucreries. Voilà ce que je peux donner. Le culte commence à 9h sur le terrain Vatican du petit marché de Macori. Ça finit vers 13h-14h. Quand ça finit, on va manger, danser et se réjouir. Maintenant, le lundi, à partir de 9h, tout le monde cherche 2500. Aller-retour, 1500 et puis 1000 francs par tête pour aller à la plage. Le monsieur a fait piscine à côté et puis devant il y a la mer. Ceux qui veulent nager dans la piscine nagent. Oh mon frère, on dit en Christ il n'y a pas la joie. C'est des menteurs. La vraie joie se retrouve en Christ. C'est pourquoi mets ta main là où tu as mal. Je vais prier pour toi en 3 minutes et le téléphone sera ouvert. Par la puissance de l'esprit. Si tu n'es pas malade, mets ta main sur ta tête. Ou bien sur ta poitrine. En ma qualité d'apôtre des nations, je nous prends nous tous dans le sang de l'agneau. Et je brise tout esprit de mort dans ta vie par la puissance de l'esprit. Au nom de Jésus, dis amen fort. Je brise le célibat dans ta vie au nom tout puissant de Jésus. Dis amen fort. Tu as été marié, dis amen fort. Il a dit, dis amen fort. Je brise la stérilité. C'est ta dernière année d'être stérile. C'est ta dernière année d'être impuissant. Je libère la fécondité. Je libère l'onction sur toi. Reçois la fécondité. Reçois la force de l'esprit. Au nom de Jésus, dis amen fort. Tu n'es plus stérile. À partir de Dieu, tu as fécond. Dis amen fort. Cancer, sida, AVC, maladie de sang, maladie de peau, plaie qui ne guérit pas, plaie qui ne finit jamais. Je vous maudis au nom de Jésus. Je brise vos œuvres. Je vous détruis. Disparaissez. Libérez le corps. Sortez. Il y a du sortez. Il y a du sortez. Libère sa vie. Libère son corps. Libère son sang. Libère son cœur. Maladie. Sortez. AVC. Sort. Sida. Sort. Ulcère. Sortez. Fibrome. Sort. Kyste. Myome. Sortez. Règle douloureuse. Sortez. Mon Dieu. Mon d'oreille. Mot de dents, guérissez, reçois ta guérison, quelle que soit ta maladie. Maladie sort, tu es guéri par la puissance de l'esprit, au nom de Jésus. Voyage, sort, visa, sort maintenant. Travail, reçois la promotion. Chômage, trouve du travail dans la semaine. On va t'appeler, on va t'appeler. Magasin, boutique, société, commencez à marcher. Commencez à marcher. Clients, revenez. Au nom de Jésus, que tout ce qu'on t'a volé en sorcellerie te retourne à toi. Au nom de Jésus, je casse les canaries. Je casse les calebasses. Je brise les cadenas. J'enlève ton nom dans la bouteille.
J'enlève ton âme, j'enlève ton mariage, j'enlève ta bénédiction là où on a enterré et je te la redonne par la puissance de l'Esprit à partir d'aujourd'hui. Au nom tout puissant de Jésus, dis amen fort et reçois. La main de Dieu est sur toi. À partir d'aujourd'hui, tu vas voyager, dis amen. Tu vas enfanter, dis amen. Tu vas te marier, dis amen. Tu vas prospérer, dis amen. Tu vas travailler, dis amen. Tu es libéré, dis amen. Les esprits te quittent, dis amen. Tu vas déménager, dis amen. À partir d'aujourd'hui, tu quittes la maison familiale, dis amen. Dans tes rêves, tu es libéré. Au nom de Jésus, dis amen. Reçois ta grâce. Reçois ta bénédiction. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Reçois ton déblocage. On te doit, ton argent est bloqué. Je libère ton argent par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, je proclame que tu réussisses. Cette semaine ne va pas passer. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Il dit la main de Dieu. Quand on dit la main de Dieu, ça veut dire la puissance de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu qui délivre, qui guérit, qui bénit et qui sauve. Dis amen et Jésus devient ton Seigneur. Dis amen et Jésus devient ton Sauveur. Dis amen et Jésus devient ton Dieu et ton Roi. Dis amen et la malédiction familiale est brisée. Au nom de Jésus, je t'enlève de la malédiction et je te mets dans ta bénédiction. Reçois à partir d'aujourd'hui la grâce de Dieu. J'ouvre le ciel qui est fermé sur ta vie, ton foyer, ton pays, tes activités, ton ministère, ton église, ta finance, sur tes projets, même les désirs de ton cœur. J'ouvre le ciel et je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, tu vois la gloire de Jésus dans tous les domaines et aspects de ta vie. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom tout puissant de Jésus, celui qui dit cette fois amen, ça va s'accomplir. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Je pensais que tu allais pousser des cris de joie. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Acclame Jésus. Le portail. De la fête de Pâques 2021, l'apôtre des nations, Yvan Serge et les lions de l'être de Judas organisent Séjour dans l'amour, la vérité et la puissance éternelle de Jésus. Au programme, ce jeudi 1er avril 2021, de 20h à 22h, projection de films chrétiens sur la passion du Christ. Ce vendredi 2 avril 2021, de 20h à l'aube, la troisième édition de la nuit de la guerre contre les œuvres des ténèbres. Venez tous en tenue de guerre avec votre Bible, un balai, une bouteille d'huile d'onction pour prière de combat spirituel et action prophétique. Ce samedi 2021, de 18h à 21h, de prophétique au roi des rois et seigneur des seigneurs, sa majesté Jésus-Christ de Nazareth, avec des chanteurs et artistes surprises. Ce dimanche 4 avril, de la fête de Pâques 2021, de 9h à 15h, spécial culte d'adoration au Dieu vivant, tout un repas vous sera servi tous les corps que tu t'aimes. Jésus est vraiment ressuscité. Luc 24, verset 34. Attention, ces 4 jours de programme sur le terrain vatican du petit marché de marque de GFCI, non loin du 9e arrondissement de police, suivi d'une sortie de tente sur la plage du Bassam, dans l'onction et la puissance du Saint-Esprit, ce lundi 5 avril 2021, jour février de la fête de Pâques. Le droit de participation pour la sortie de tente est de 1500 francs CFA. Rassemblement au terrain vatican du petit marché de Marconi à 9h, retour à 18h, par la grâce et pour la gloire de Dieu. Contact, plus 225 07 49 52 90 57. Plus 225 07 49 40 05 04 plus 225 05 05 64 78 32. Bonne fête de Pâques à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Acclamons encore le Seigneur, le roi des rois. Maintenant, le téléphone est ouvert. Si tu peux, tu appelles.
et je vais prier pour toi en direct au plus 225 08 01 65 07 08 01. Oui, allô? Soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune. Oui, de quelle commune? Ok, quelle est votre préoccupation? Ok, mets ta main droite sur ta tête. En ma qualité d'apôtre, j'ouvre les portes qui étaient fermées. Je débloque ta situation au nom de Jésus. Dis amen fort. Dis amen fort. La grâce de Dieu avec toi. Viens me trouver le dimanche au culte. Ce dimanche demain, tu vas recevoir ta grâce. Sois béni. 08 01 65 07. 08 01 65 07. Ou au 05 64 78 32. Le téléphone est ouvert. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune? Cocody. Cocody, quel est votre nom? Ok, quel est votre sujet de prière? Il est à côté de toi? Ok, mets ta main sur ta tête. Dis-lui de mettre sa main aussi sur sa tête ou bien sur sa poitrine. Au nom de Jésus, Seigneur, démontre-le que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. À partir d'aujourd'hui, j'appelle le travail dans la vie de ton mari. Au nom de Jésus, dis ta main fort. Non, ça c'est pas amen. Dis ta main fort. À partir d'aujourd'hui, vous êtes exaucés. Les jours de programme de Pâques, venez et ne restez pas à la maison. Et puis après, cherchez à me voir. Soyez bénis. 08 01 65 07 08. Oui, allô? Allô? Oui, soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune? Tu as Kumasi, ton nom? Marceline de Kumasi, quelle est ta préoccupation? Il t'a laissé. Faut venir au programme. Faut venir au programme de la Pâque. Et puis tu cherches à me voir dimanche au culte. Que la main du Seigneur soit sur toi. À partir d'aujourd'hui, je brise la malédiction sur ta vie. Au nom de Jésus, dis amen fort. Oh, dis amen fort. Je dis, dis amen fort. Amen. Tu as exaucé. Dieu te bénisse. 08 01 65 07. 08 01 65 07. Ou au 05 64 78 32. Oui, allô? Oui, soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune? Oui, je suis à Vridi. Votre nom? Désiré de Vridi. Quel est votre sujet de prière? Mon sujet de prière, en fait, papa, je viens de vous prier pour moi. Yes. Parce que depuis un bon moment, je tourne à faire du travail sans papa. Mets ta main, j'entends blocage. Quand tu parles dans ma tête, j'entends blocage. Mets ta main droite sur ta tête. Monsieur Désiré, tu sauras que Jésus est Dieu et qu'il a son serviteur en Côte d'Ivoire. Je débloque ta situation. J'ouvre le ciel sur ta vie. Il y a un nouveau canevas qui s'ouvre devant toi par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, dis amen fort. Ah, dis amen fort. Amen. La main de Dieu est sur toi. Ne manque pas les 5 jours de programme de la Pâque. Et puis chaque à me voir le dimanche au culte. Que Dieu vous bénisse. 08 01 65 07. 08 01 65 07. Voilà le jour de ton miracle devant toi. Appelle et tu sauras que Jésus est Dieu. Oui, allô? Soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune? Oui, votre nom. Ok, monsieur Ramon, quelle est votre préoccupation? Il t'a abandonné, il t'a pas oublié. C'est les gens qui ont fait qu'il t'a oublié. Tu ne dois même pas être en Afrique. Tu ne dois même pas être en Côte d'Ivoire. Il devait te faire partir. La sorcellerie a fait, il t'a oublié. Je vois quelqu'un a pris ta photo et puis la personne a retourné ta photo. C'est pourquoi le monsieur t'a oublié. Sinon, il t'aime. Il pense à toi. Mais ils ont mis un mur entre toi et lui. Mets ta
main droite sur ta tête. En ma qualité d'apôtre, là où le blanc là est, il se rappelle de toi. Il revient. Où il t'appelle, il revient. Et puis il te dit de faire ton papier. Il t'amène un peu d'argent. Au nom de Jésus, dis amen fort. Amen. Ah, ta situation change. Ne manque pas les jours, les 5 jours de la fête de Pâques. Et puis cherche à me voir ce dimanche au culte. La main de Dieu est sur toi. Sois béni. 08-01-65-07. 08-01-65-07. Le moment de ton miracle est arrivé. Oui, allô? Allô? Oui, soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune. Je m'appelle Madame Bolou. Madame Bolou, de quelle commune? Ok, quelle est votre préoccupation? Aïe. Quand il a prié tout à l'heure, tu as dit amen? Oui, j'ai dit amen. Ok, remets ta main sur ton pied. En ma qualité d'apôtre, tu as déjà guéri. Mais comme tu as appelé, plaie, cicatrise-toi, reçois ta guérison. Au nom de Jésus, dis amen fort. Amen. Non, ça me convient pas. Dis amen fort. Voilà, tu as appelé pour dire que c'est parti. Je t'attends aux 5 jours de programme sur le terrain Vatican, fête de Pâques. Et puis trouve-moi ce dimanche au culte. Que la main du Seigneur soit sur toi. Sois béni. Amen. 08-01-65-07. 08-01-65-07. Voici le jour de ton miracle. Voici le jour de ta délivrance. Voici le jour de ton déblocage. Ne reste pas à la maison. Depuis que tu appelles ton gars et ton téléphone, tu n'es pas allé quelque part. Depuis que tu appelles ta gueule et ton téléphone, tu n'es pas allé quelque part. Appelle maintenant le Seigneur Jésus au plus 225-08-01. Oui, allô? Oui, allô? Soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune. Bonsoir, monsieur. Votre nom et votre commune. Moi, c'est Joachim. Monsieur Joachim, de quelle commune? Je viens de... à la tête de l'université. Ok, il boulait. Quelle est votre préoccupation? Pourquoi? Ça ne marche pas. Tu as besoin de voir la main de Dieu. Et tu as besoin d'un vrai homme de Dieu pour te suivre. Mets ta main droite sur ta tête. Monsieur Joachim, en ma qualité d'apôtre, je brise cette lenteur de tes affaires. Cette lourdeur de tes affaires. Je brise cela. Au nom de Jésus, dis amen fort. Oh, dis amen fort. Amen. À partir d'aujourd'hui, la main de Dieu est sur toi. N'oublie pas les 5 jours de programme. À partir du mois d'avril. Et puis, cherche à me voir ce dimanche au culte. Que Dieu te bénisse. Amen. 08-01-65-07. Aujourd'hui est ton jour. Le jour de ta délivrance. Le jour de ta guérison. 08-01-65-07. 08. Oui, allô? Soyez béni très cher. Bonsoir mon fils. Ton nom et ta commune. César. César de quelle commune? Trèsville. Quelle est ta préoccupation? Papa, je t'entends pas. Parle bien, puis rapidement. Ça se coupe. Quand tu parles ici, ça se coupe. On t'entend pas. Donc faut parler rapidement. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Tu veux travailler? Bon, on attend travail, le reste on n'entend pas. Soulève ta main vers le ciel. Ok, soulève ta main droite vers le ciel. Reçois la santé, reçois le travail, reçois le mariage, reçois le déblocage. Ce que tu as demandé, tu le reçois à partir d'aujourd'hui et tu le récupères au nom de Jésus. Dis amen fort. Amen. Ah, dis amen fort. Amen. J'ai entendu une voix qui m'a dit, dis-lui je récupère. Faut dire je récupère. Au nom de Jésus, dis amen. À partir d'aujourd'hui, la main de Dieu est sur toi. Rendez-vous aux 5 jours de la fête de Pâques sur le terrain Vatican. Et cherche à me voir ce dimanche au culte. Que Dieu te bénisse. 08-01-65-07-08-01-65-07. Je vois une crainte dans mon esprit. Les gens sont prêts à appeler. Oui, allô? Allô, soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune. Ok, quelle est votre préoccupation?
Ça ne marche pas. Faut chercher à me voir et puis faut participer au jour de la fête de Pâques sur le terrain Vatican du jeudi au dimanche. La main de Dieu est sur toi. Soulève tes deux mains vers le ciel. Je proclame que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Et quand Dieu va bénir l'œuvre de tes mains, je prie que tu payes ta dîme. Reçois ton miracle et ton déblocage. Au nom tout puissant de Jésus, dis amen bien. Amen. Ah, dis amen bien. Amen. La grâce de Dieu avec toi. Oui, allô. Allô. Soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Votre nom et votre commune. Etienne. Monsieur Étienne de Port-Boué. Quelle est votre préoccupation? Tout est bloqué. Il dit ma vie est bloquée. On ne peut pas bloquer ta vie. Mets ta main sur ta tête. À partir d'aujourd'hui, je débloque ta vie. Je débloque ta situation par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, dis amen fort. Amen. Ah, dis amen fort. Amen. À partir d'aujourd'hui, c'est débloqué. Cherche à venir faire les 5 jours de la fête de Pâques et puis trouve-moi ce dimanche au culte. Que Dieu te bénisse. 08 à 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32. Oui, allô? Allô? Hey, oui, soyez bénis très cher. Bonsoir, votre nom et votre commune. Hey, Monsieur Komenan Yopougon. Quelle est votre préoccupation, Monsieur Komenan? Il y a un problème où je travaillais avant. Oui. C'est pas possible, c'est la main noire de la sorcellerie. Regarde, il y a des dossiers, écoute-moi, c'est moi qui parle. Il y a des dossiers devant moi, et puis une main noire mélangeait tous les papiers. C'est la main noire de la sorcellerie qui est en train de te mélanger. Même pour que tu gagnes le procès, ça sera dur. Parce qu'ils vont corrompre les juges, ils vont corrompre tous ceux qui ont le papier. C'est la sorcellerie, le fétiche du village qui s'est levé contre toi. Mais cherche à venir faire les 5 jours de prière sur le terrain Vatican, à la fête de Pâques, et puis cherche à me trouver ce dimanche au culte. Mets ta main droite sur ta tête. Hé, vous les sorcières de son village de son papa, libérez ses dossiers, libérez son argent, libérez ses droits. Je proclame que tu gagnes un nouveau travail, un travail qu'on va te payer 7 fois que l'ancien. Au nom de Jésus, dis amen fort. Amen. Dis amen fort. Il a dit, dis amen fort. La main de Dieu est sur toi, tu es béni. 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune? Monsieur quoi? Emilien? Ok, vous appelez de quelle commune? Cocody, quelle est votre préoccupation? Aïe, ah, yeah. Mets ta main sur ton bas ventre. Tu es quelle ethnie? Il n'attend pas. Je demande, tu es quelle ethnie? Tu es de quelle ethnie? Ok, mets ta main sur ton bas ventre. Au nom de Jésus, esprit de nuit, toi qui t'es attaché à cet homme, ce n'est pas un esprit, c'est une femme du village qui t'a marié. Elle t'a marié spirituellement. Je vois une vieille femme qui t'a marié spirituellement. Et on me dit que depuis que tu es petit, elle t'a suivi depuis petit. C'est pourquoi au nom de Jésus, je te détache de cette femme. Je proclame le divorce maintenant. Au nom de Jésus, dis amen fort. Amen. Ah, dis amen fort. Amen. C'est fini. Cherche à venir au 5 jours de la Pâque. Et puis trouve-moi ce dimanche au culte. Que Dieu te bénisse. 08 01 65 07. Oui, allô? 08 01 65 07. Aujourd'hui est le jour de ta délivrance. Oui, allô? Oui, allô? Soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune. Je m'appelle Touré Victorie. Oui, vous appelez de quelle commune? Fridicité, quelle est votre préoccupation? Ça fait
plusieurs années. Oui. Oui. Puis je passe mon concours. Et tu échoues. Pas de résultat. Du côté de mon mari, tout mon rôle. Il y a un esprit de. Écoute-moi bien. Il y a un esprit de sorcellerie et puis de l'eau. Un esprit de sorcellerie et puis de l'eau qui vous fatigue, vous deux. Vous êtes marié légalement à un bag à la mairie? Non, non. Est-ce que vous êtes doté? Non, non. Tu sais pourquoi il t'a posé la question? Parce que quand tu parles, il voit l'eau et puis il voit sorcellerie. Or, quand l'eau est dans la vie de quelqu'un, pour se marier, c'est dur. La sorcellerie est en train de fatiguer ton mari et toi, c'est l'esprit de l'eau qui te fatigue. Cherchez à venir aux 5 jours sur le terrain Vatican. Participez aux 5 jours de Pâques et puis cherchez à me trouver ce dimanche au culte. Mettez votre main sur votre tête. Mettez votre main sur votre tête ou sur votre bas-ventre. Je libère ce foyer-là. Je libère ce couple-là. Je libère le vrai travail de ton mari. Et puis je libère votre mariage. Au nom de Jésus, dites Amen fort. Amen. Ah, dites Amen fort. Ah, dites Amen fort. C'est fait. Cherche à me trouver au Vatican à partir du jeudi. Et puis cherche à me trouver ce dimanche au culte. Que Dieu vous bénisse. 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32. Oui, allô? Allô? Oui, soyez bénis, très cher. Votre nom et votre commune. Bonjour. Bonjour. Votre nom et votre commune. Ah, moi je. Vous appelez comment? Mireille. De quelle commune? Yopougon. Quelle est votre préoccupation? Tu as quitté le village, tu ne te sens pas bien. Il voit la mort. Faut pas avoir peur. Il voit quelqu'un qui est couché sur un lit. Comme si. Tu as quitté pourquoi? Il y avait quoi au village? Il y avait quoi au village? Il y avait quoi et puis tu es parti? Je ne l'entends pas bien. Il y avait quoi au village? Il y a un problème de réseau. Priez pour lui. Il y a un problème de réseau. Ah, bon, mon corps dit qu'il y a un problème de réseau. On ne t'entend pas bien. Il y a quelqu'un qui a couché sur Nat. Au nom de Jésus, je libère ta vie des agents de la mort. Et vous tous du village, libérez son âme. Libérez sa vie. Je brise la mort. Je brise la malédiction. Libère, sort du cercueil. Au nom de Jésus, dis trois fois Amen. Amen. Dis trois fois Amen. Trois fois Amen. Elle est partie. 0801, cherche à me voir. Ma bien-aimée, cherche à me voir. Toi qui appelais tout à l'heure, cherche à me voir. Oui, allô? Oui, soyez bénis, très cher. Votre nom et votre commune. Ok, vous appelez de quelle commune? Quelle est votre préoccupation? Oh, mets ta main sur ton cœur. En ma qualité d'apôtre des nations, au nom de Jésus, je te fais sortir de ta mauvaise situation. Je brise les malédictions. Je libère ta vie. Reçois la grâce de Dieu et sois délivré par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Amen. Dis Amen fort. Amen. Ah, dis Amen fort. Amen. La grâce de Dieu avec toi. Trouve-moi au Vatican pour les 5 jours et cherche à me voir demain au culte. Au nom de Jésus. 08 01 65 07 0 oui allô? Oui allô, soyez bénis très cher, votre nom et votre commune. Oui, Ramatoulaye, de quelle commune? Ok, soyez bénis. Quelle est votre préoccupation? Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous? Oui? Oui? Oui. 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 Ok. Tu crois que je suis un homme de Dieu? Mets ta main droite sur ta tête. Tu crois que Jésus est Seigneur? Tu crois qu'il est vivant? Ok. Je proclame avant la fin de l'année que Dieu te fasse partie. Que Jésus te fasse partie. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Dis Amen. Non, ça c'est qu'elle amène ça. Dis Amen fort.
Que Dieu te bénisse. Cherche à me trouver au 5 jours de la fête de Pâques. Et puis le dimanche au culte, viens me voir. Que Dieu te bénisse. 08-01-65-07. Oui, allons. Soyez bénis, très cher. Bonsoir. Votre nom et votre commune. Ok, quelle est votre occupation? Non, papa, il y a une chérie qui est la mariée, mais c'est pas là du pas. Hé! Tu es la mariée, mais ils ne veulent pas. Ils disent quoi? Il y a quoi? Non, ils disent non, c'est de la chérie. C'est elle que tu aimes vraiment? Oui, c'est tu l'aimes de tout ton cœur, tu es sincère. Oui. Ok, mets ta main droite sur ton cœur. Donne-moi son nom. C'est Sephora. Toi, donc, parle ce monsieur. Si tu es vraiment sa femme, je ferme la bouche de ses parents. Et puis je t'ordonne de revenir. Mais si tu n'es pas sa femme, que Dieu vous sépare cette année pour toujours. Au nom de Jésus, dis trois fois Amen. 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 Cherche à venir au terrain Vatican pour les jours de la fête de Pâques. Et puis trouve-moi ce dimanche au culte. Que Dieu te bénisse. Amen. 08-01-65-07. 08-01-65-07. Ou au 05-64-78-32. 05-64-60. Oui, allô? Oui, allô? Soyez béni, très cher. Votre nom et votre commune. Bonsoir, papa. Bonsoir, mon fils. Ton nom et ta commune. Oui, je n'ai rien compris. Oui. Ronald, tu Ronald, Ronald de Rivera à Nono. Ok, ça va mon fils? Ok. Blocage. Blocage. Mets ta main droite sur ta tête. En ma qualité d'apôtre, j'ouvre la porte du déblocage. Et que ce qui est fermé s'ouvre par la puissance de l'esprit et dans le nom tout puissant de Jésus. Dis Amen fort. Ah, dis Amen fort. La femme qui est à côté de toi, elle dit plus fort que toi. Elle dit, dis Amen fort. Amen. À partir d'aujourd'hui, la main est sur vous. Venez au terrain Vatican, aux 5 jours de programme, et trouvez-moi ce dimanche au culte. Recevez la grâce au nom de Jésus. Dites Amen. Amen. 08-01-65-07. 08-01-65-07. Ou au 05-64-78-32. Oui, allô? Allô? Oui, soyez bénis, très cher. Votre nom et votre commune. Monsieur Kouadjo, de quelle commune? Soyez béni. Quelle est votre préoccupation, Monsieur Kouadjo? Ok. Les affaires ne marchent pas. Tu as besoin. Tu as besoin. Tu as besoin d'une touche de l'esprit. Mets ta main sur ton ventre. Ma main même est déjà sur mon ventre parce qu'elle a vu que tu dois toucher ton ventre. Mets ta main sur ton ventre. En ma qualité d'apôtre, ton ventre n'est pas cimetière. Je brise la mort. Je brise la femme de nuit. Je brise les activités qui ne marchent pas. Je libère ta vie par la puissance de l'esprit. Esprit de mort, esprit de l'eau, sors de cet homme et ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Amen. Non, ça c'est qu'elle Amen. Dis Amen fort. Amen. La main de Dieu est sur toi. Retrouve-moi au 5 jours de la fête de Pâques et puis ce dimanche au culte. Que Dieu vous bénisse. 08-01-65-07-08. Oui, allô? Allô? Oui, soyez bénis, très cher. Bonsoir, ma fille. Ton nom est ta commune. J'appelle Adèle de Makori. Quelle est ta préoccupation? Je suis malade, je souffre de cancer de sein. Aïe, 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 cancer de quoi? Cancer de sein. Cancer de sein. Oui. Mets ta main sur ton sein. Soumaïla, il a enregistré ça. Elle a appelé pour dire qu'elle est guérie. C'est enregistré? Redonne ton nom parce qu'on va rendre témoin de ce que Jésus a fait. Adèle de Makori. Mets ta main droite sur ton sein. C'est quel sein? Gauche ou droite? C'est droite. Droite. Au nom de Jésus. Cancer. Cancer, cancer, il y a quelqu'un qui t'a vaincu à la croix de Golgotha. Il s'appelle Jésus. Disparaît, disparaît, guéris, 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 Adèle, guéris, cancer, sort, sort, sort. Tu as guéri, c'est fini. Au nom de
Tu n'as pas cancer. On t'a lancé le cancer. Tu n'as pas. À partir de lui, sache que tu n'as plus. C'est quelqu'un qui t'a lancé ça en sorcellerie. Il y a vu quelqu'un t'a lancé le sort. Quelqu'un t'a lancé ça. Tu n'as plus. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, dis amen. Amen. Cherche à me trouver au terrain Vatican les 5 jours et puis cherche à me voir dimanche au culte. Que Dieu te bénisse. Amen. Il nous reste 5 minutes pour terminer l'émission. 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 Vous qui voulez savoir où on prie dimanche, on va mettre le sport à la fin. Oui, allô? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vois une traîne dans ma tête. Les gens se bousculent. Oui, allô, sois béni. Ton nom est ta commune. Oui, de quelle commune? Ok, quelle est ta préoccupation? Mets ta main droite dans ta poche. Tu as poche ou bien tu n'as pas poche? Non, il est à droite. J'ai dit, est-ce que tu as poche? Poche, une poche où on met l'argent. Tu as poche? Oui. Mets ta main droite dans ta poche. Je t'ai vu mettre ta main dans ta poche. Mets ta main droite dans ta poche. À partir d'aujourd'hui, je débloque ta situation financière. Que l'argent qui ne venait pas commence à arriver par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Dis amen fort. Amen. Oh, dis amen fort. Amen. La grâce de Dieu avec toi. Trouve-moi les 5 jours de programme au Vatican et puis cherche à me voir ce dimanche au culte. Que Dieu te bénisse. Il nous reste. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Oui, allô? Sois béni ma fille, ton nom est ta commune. Bonsoir ma fille, ton nom est ta commune. À la Rivera Yvette, quelle est ta Yako, Yako. Ça finit. Ils sont en train d'attaquer ton âme. Va chercher à me voir ce dimanche au culte. Ou bien viens à ce programme de 5 jours sur le terrain Vatican. Mets ta main sur ton cœur. Donne-moi le nom de ta grand-mère. Donne-moi le nom. Mou. Hey, ça va. Arrête-toi. Mou. Cette fille-là, il y a viande de mange. Et la viande ne mange pas. Toute tentative pour manger cette fille, retourne à toi, Mohou, par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, j'arrache ton âme. Dieu me montre que quand tu étais assis sur le tabouret, ils ont pris ton âme. C'est pourquoi tu as tombé malade. C'est pourquoi tu as fait la fièvre. Tu seras anémié. Tu vas manquer de sang. Parce qu'ils sont en train de boire ton sang. Je récupère ton âme. Je récupère ta vie par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, dis amen fort. Amen. Ah, ça c'est que la main de quelqu'un qui est guéri. Dis amen fort. Amen. Une dernière fois, dis amen fort. Amen. Ta grand-mère ne va pas terminer cette année. Ça c'est qu'elle a entendu. Elle va mourir à ta place. Cherche à me voir. Cherche à me voir ce dimanche au culte. Et puis participe au programme de Vatican. Les 5 jours de la fête de Pâques. Sois béni. Il reste un appelant ou 2 appelants. Ça dépend du coach. Jésus-Christ de Nazareth. Le coach va dire s'il faut 2 ou 3. Le coq dit 2, Soumaïla Kwaku, avec la porte des nations. Oui, allô? Oui, soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune? Mon nom est Honorine. Honorine, de quelle commune? William Civil, quelle est ta préoccupation? Rien ne marche. Ça ne peut pas marcher. Elle ne peut pas marcher. Mais, j'ai dit, quand tu as commencé. Ça, tu as commencé, mais tu as dit ça ne peut pas marcher. Non. Maintenant, si tu ne parlais pas, il allait te dire les esprits qui font que ça ne peut pas marcher. Mets ta main sur ton cœur. Regarde, Honorine, les gens vont te prendre. Les gens vont t'aimer, mais après, ils vont te faire du mal, ils vont te blesser, ils vont partir. C'est ça, non? C'est ça, non? Ils vont te blesser, puis ils vont partir. Tu te demandes ce que tu as fait. Écoute-moi, cherche à venir au programme de la fête. De partir sur le terrain et puis cherche à me trouver ce dimanche au culte. Honorine, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré de 7 démons qu'on adore de votre famille. Au nom de Jésus, est-ce que dans ton village, il y a Marigot? Oui, il y a Fleuve. Il y a Fleuve. Ça s'appelle comment? Comme oui, ils sont en train de voir ça. Il brise cette malédiction-là qui est dans ta vie. Sois libéré. Au nom de Jésus, dis amen fort. Amen. Ah, tu es libéré.
Gloire à Jésus. Cherche à me voir. 08, le dernier appelant ou bien. Oui, le code du dernier appelant. Le Saint-Esprit nous contrôle. Et lui, il a le code physique. Oui, allô? Allô? Oui, non, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Oui, allô? Soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune. Ah, elle est partie. Cherche à me voir au Vatican à partir de la semaine qui vient, le jeudi 1er avril jusqu'au dimanche. Et puis cherche à venir ce dimanche au culte. 08. Oui, allô? Oui, allô, soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune. Bonsoir, mon fils. Oui? Ok, quelle est votre préoccupation? Travaille. Ok, mets ta main droite sur ta tête. Je libère le travail. Je libère, et comme l'embauche, je libère ta bénédiction financière. À partir d'aujourd'hui, vois la gloire de Dieu par la puissance de l'Esprit. Au nom tout puissant de Jésus, dis Amen fort. Amen. Ah, dis Amen fort. Amen. La main de Dieu avec toi. Trouve-moi les 5 jours de la fête de Pâques sur le terrain Vatican. Et puis ce dimanche au culte, cherche à me voir. Que Dieu te bénisse. Que toute la gloire revienne à Jésus. Pour tous ceux qui veulent savoir où je prie le dimanche, on va commencer par ce spot-là d'abord, qui va vous indiquer où je prie. Et puis on va terminer à les 5 jours. Il y a beaucoup qui ont entendu, trouve-moi les 5 jours. Trouve-moi les 5 jours. Écoutez les spots qui vont passer. Le premier va vous dire où on prie dimanche. Où vous pouvez me trouver tous les dimanches. Et puis le deuxième spot va vous montrer les 5 jours de programme sur le terrain Vatican. Je scelle cette émission dans le sang de l'agneau et je proclame la gloire de Jésus, le Christ ressuscité, le Christ vivant, par la puissance de l'Esprit, à la gloire du Père, au nom tout puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Nous sommes le temple du lion de la tribu de Juda. Nous sommes à Koumansikan Commando Carrefour Petit Marché. Je dis bien Koumansikan Commando, vous demandez le carrefour du Petit Marché. Petit Marché de Koumansi. Arrivez au carrefour, ce qui va nous montrer que vous êtes bel et bien au carrefour. Vous allez à la pharmacie Bécani. La pharmacie s'appelle Bécani.